Mais c'est pas croyable, même venant de ce salaud. Donc, ce truc que ton père a inventé peut éliminer les lambentes? Est-ce que ça a un effet sur les larves? On sait pas. C'est pas parce que les locustes se transforment en lambentes que ça marchera sur eux. Quoi qu'il en soit, faut qu'on localise Azura. Merde, le rayon de l'aube aurait bien servi. Saloperie. Ça dégomme encore quelques satellites. Mais côté précision, faut oublier. Je peux peut-être arranger ça. Merde. Voilà le disque. Allez, au boulot. Ernie, tu vas pas en croire tes yeux. Ça va devoir attendre, Vic. Quelqu'un s'occupe des coms radio? Sam et Anya sont piégés à l'extérieur du périmètre. On s'en occupe, Ernie. Allez, les gars, en route! Je t'appelle quelqu'un pour conduire le pick-up. Quoi? J'ai loupé quelque chose? Le boss va tout te raconter. Garde quand même un œil sur sa tension. Reste calme, respire profondément. Enfin, tu vois, quoi. Cole, viens avec moi, Dom, toi et Bernie, allez là-haut et couvrez-nous pendant que Bert répare le rayon de l'aube. Alia, on vient vous chercher, ça va? Où est Jace? On est coincé, Jace est plus là, il s'est mis en route avec Darwin. Ok, Alia, tiens bon. On va vous couvrir, allez-y vite! Derrière le cheval de bas! Attention! Un tigre! Marcus, ça va? Marcus! Allez, debout! Active le rayon de l'aube! D'accord, mais rappliquez en vitesse! On va tirer à la meulette! Tire, bordel! Salope et disons merde! Tirez sur les coques! Attention! Oh, merde!
mal! Mise à feu activée! Dépêchez-vous! Père, ça hurle! Mise à feu! Maintenant! Marcus, dégage! Dégagez! Maintenant, je ne joue pas! Griller cette salope ? Je crois bien, oui. Bon, revenez tous à l'intérieur. On a des trucs à... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Moi, je recule. Le Coltrane n'a jamais vu une pétasse aussi chiante. Hé, ma belle, viens voir papa. Viens voir le Coltrane. Venez m'aider. Venez m'aider. Venez m'aider. Merci. Venez m'aider. Retourne au combat. Venez m'aider. J'en voudrais ça. Impulsion.
Alors, t'as trouvé ça comment? On remballe. Allez, Baird, on a du pain sur la planche. Et voilà, Azura. Pas de photos, mais plein de données et de cartes. Amuse-toi bien. Mais c'est une île. Comment on peut cacher une île? Oh, ça c'est facile quand on s'appelle Prescott. Eh, hey, c'est quoi une barrière du Maelstrom? C'est un bouclier d'énergie, je pense. Waouh! Il y a un ouragan artificiel autour de l'île. Hey, Prescott se prenait vraiment pour un despote à la pointe de la technologie. C'est carrément admirable. Mais on dirait que le seul moyen d'y accéder, c'est de passer par en dessous. Il y a un vieux sous-marin au chantier naval d'Endivore. Ouais, bien sûr s'il flotte, s'il est en état de marche, et si on trouve du carburant. C'est la fusion que j'entre en piste. Je suis un ancien de la marine marchande. Je peux réparer, piloter et faire le plein si tu me trouves une station. On peut passer par Merci, Bouchard. Ah, Merci, et une station de pompage d'émulsion. Commençons par là. Tu es sûr de vouloir y aller? C'est la ville natale de Maria. Mais je peux gérer ça maintenant. Et il faut du carburant. J'ai pas l'air de vouloir venir avec nous, mon colonel. J'ai pas livré cette ville pendant la dernière guerre, et je préfère mourir plutôt que de l'abandonner à une bande de larves luisantes. Pas vrai, Bernie? Ouais. En plus, on est trop vieux pour courir. On va simplement rester sur le porche et dégommer tout ce qui bouge. Bon, Baird, Cole, allez chercher de l'aide. Sous-marin ou pas, sans renfort, on est baisé. Il nous faut des véhicules, des armes et des gens qui sachent se battre. Allez, en route! Champ d'émulsion droit devant. On y va en douceur. Marcus, c'est la seule route vers Merci. On va devoir traverser cette merde. Tonnerre ! On a des vues, on approche ! On n'a pas le choix, Marcus. On peut pas rester là. Ok, c'est ramassé. Go, go, go ! Attention, épave croissant ! Il y a un river. Attention! Ces rivers nous lâchent pas, bordel! River sur la route, flinguez-le! Pour les péter. Accrochez-vous, ça va pas passer loin. Ouais, on a réussi. On va mal finir si on n'ouvre pas une brèche. C'est notre sortie. Concentrez-vous, Kim. Ah ouais, alors ça pourrait. Ok, on va voir ce qu'il nous réserve d'autre. Hey! Barrage, droit devant! Digi, passe devant et déblaye la voie! Champ devant! Et c'est mon escroc qui va faire la gueule!
tomber dessus. Ouais, mais où est leur mère? Merde, c'est sous sa peau! Butez-le, butez-le! Devant, vous le voyez? Et je m'occupe d'ouvrir la porte! Je tiens le coup, Dizzy! Je suis dans le vide, heureusement! Une troïka! Attention! L'arbre devant! Va avant derrière ce machin. Attends. Ça, ça a marché. Attention, j'arrive sur la piste. J'ai de l'arbre en pétard. Dizzy, je croyais qu'il y avait du monde dans cette ville. Ben ouais, c'était l'effervescence totale il y a à peine quelques mois. On n'abandonne pas un dépôt de carburant comme ça. Ok. Restez sur vos gardes. On risque de devoir se tirer en vitesse. Ah, merde! La pompe principale est désactivée! Les commandes sont sûrement le long de ce pipeline. Alors, allons-y. Jace, Dizzy, restez là pendant qu'on fait une virée en ville.
Bonjour. Y a quelqu'un? On a besoin de carburant. T'es revenu récemment, Dom? Pas depuis 15 ans. La famille de Maria est enterrée près de l'église. Je voulais enterrer Maria et les enfants ici, mais... Plus personne ne bouge. Là, des explosifs. Que tout le monde fasse gaffe. C'est peut-être une embuscade. Attention, il y a un détecteur de mouvement. Marcus, il jusqu'ici. Tout va bien. Là, un autre explosif. C'est pas un piège, c'est du sabotage. Alors on le désamorce et on continue. Pourquoi truffer le pipeline d'explosifs? Je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus personne. Marcus, encore un explosif. Quelqu'un voulait vraiment... À couvert! Hé, cessez le feu! On est des gears! Des gears! Il ne faut surtout pas toucher à ces putains d'explosifs! C'est vous qui les avez posés? Vous voulez tout démolir? Ouais! Faut que j'empêche ce mal de se répandre! Laissez-moi faire ce que j'ai à faire! Quel mal? Une épidémie? Et qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est comme un virus! Les gens se sont mis à hurler, à s'entretuer, à devenir fous! Et plutôt crever que de devenir comme eux! Ce sont plus des humains, mais de véritables chiens enragés. Venez avec nous. On peut vous aider. Non, c'est trop tard. Foutez-moi la paix. Hé, hey, revenez. Dites-nous, vous avez posé des explosifs. Eh bien, cet homme, c'est intéressant. Je sais pas de quel virus il parlait, mais j'espère que c'est pas contagieux. On va se contenter de suivre le pipeline et on va démarrer la pompe. On vous veut pas de mal! Il est parti où? C'est peut-être lui qui est devenu fou et qui terrorise tout le monde. Direct, le pipeline nous conduit dans les égouts. On y va. Vous entendez quelque chose? À part l'eau? Les parias. Ils doivent se cacher dans le coin. Oh non, c'est le vieux fou. Qu'est-ce qui l'a tué? Eh là, c'était pas un virus. C'est un vrai trou de souris ici. On va se séparer. Pas la peine de rester les uns sur les autres. Dom, Sam, vous allez à droite. Anya, avec moi. Madame, est-ce que ça va? Qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête! Ça se transmet aux humains! Un paquet de saloperies! Ce n'est pas humain! Thank you.
possible. Seuls les locustes peuvent être affectés. Cette saleté a encore franchi la barrière des espèces. Digi, il y a des humains lamben. Tu déconnes, l'ami ? Aide-moi ! J'aimerais bien. Faut les empêcher de sortir. Il faut d'abord activer ce pipeline. Je sais bien qu'on est dans la merde, mais un sous-marin, ça carbure pas au pipi de ça. Des humains lambent. Voilà pourquoi le vieux voulait raser la zone. C'est ce qui nous attend. On va finir comme eux? D'anciens humains? Non, on va s'en sortir. On trouve le carburant et on se tire d'ici. Ah, génial, mon idée de venir ici. Désolé, Marcus. C'est pas un mal. Maintenant, on sait que toute la race humaine risque de se transformer en lambent si on fait rien. C'est la fête aux luisants! Bon. Hé, regardez là-haut! La mitrailleuse, là-bas! Elle est chargée! Allez, il faut deux gars sur cette mitrailleuse! Faire ça toute la journée. Les gars, vite, venez ici! Montez aux échelles! Merci pour le coup de main. Hey, on s'attendait pas à voir des Gears. Hey, est-ce que vous allez bien? Moi, oui, ça va. On peut pas en dire autant pour lui. Ça commence comme ça? Ouais, vous avez déjà vu ça? C'est pas que le poumon noir. Attention, sous le mur!
surveiller les flancs. Aide-moi un peu! Ok, on est bon pour l'instant. On dirait qu'ils ont dévié le pipeline par l'église. On y va! Je ne veux pas finir comme eux. Plutôt crever que finir comme ça. Je te promets que ça n'arrivera pas, ça. Les larves vont bientôt arriver, Marcus. Il faut vite trouver ce carburant. D'accord. Allons trouver cette pompe et activons-la. Merde, la porte d'entrée est fermée. On fait le tour. Ok, c'est bon. Dom, on s'occupe de la pompe. Merci, mais m'attendez pas si les choses tournent mal. Allez, fais vite. Maria, bébé, pardonne-moi de ne pas t'avoir ramené à la maison. Mais t'es avec les enfants maintenant, c'est ce qui compte, hein? On sera tous réunis un jour. Mais là, Marcus joue encore les héros. Il a besoin de moi à ses côtés. Alors... dors bien, mon amour. Dizzy, la pompe est activée, bouge pas. Je crois pas que ce soit une chorale. On finit ce groupe et on se tire d'ici, d'accord? Il aurait posé assez d'explosifs pour tout faire sauter? Non, mais ça va faire un gros cratère. Faudra se contenter de les ralentir, alors. Ils sont là, Marco !
On a fini. On arrive. Dom, c'est quoi le chemin le plus rapide pour la station? Les caveaux sous l'église. Ils servaient d'abri anti-aérien pendant les guerres pendulaires. J'espère qu'on a buté tous les Lambent. Fumée d'immulsion. C'était pas comme ça avant. Hé, hey Marcus, ton père pense que c'est l'immulsion qui tue Serra, c'est ça? Ouais. On a tué pour ce truc. Et maintenant, ça nous tue. Hé, hey Marcus, y a des larves qui rapiquent par l'autoroute! Le camion citerne est prêt! Il crachouille encore du carburant! Je peux pas colmater toutes tes fuites! On peut rien faire avec! Tant pis, laisse tomber! Monte dans le pick-up! Bien sûr! On sera prêt à décoller! Marcus, viens! On est prêt à y aller! On est coincé! De vous. Quand même.
Saute! Qu'on y aille. Ton père a besoin de nous. Dom! Et voilà, panne sèche. Ah, alors voilà, Char. Il y a encore des gens qui vivent ici après les frappes du rayon? Yep, il y en a du peuple. Et c'est pas trop le genre accueillant. Accueillant ou pas, on a besoin de carburant. Il faut qu'on aille au chantier naval. Dizzy, reste ici et garde le camion. Ok. Arrête-t-on de tourner autour du pot. Il est mort. Mais il nous a sauvés. Arrangeons-nous pour que sa mort n'ait pas été vaine. Ce sont pas des statues. Ah, ouais, ça fout les boules. On dirait que c'est ce qu'ils faisaient quand le rayon de l'aube a frappé. C'est des cadavres. Des cendres. Merde, regardez-les! Ils essaient de s'échapper. Et ils sont comme ça depuis tout ce temps. Ouais. C'est une fosse commune. Essayons de montrer un peu de respect.
Dizzy, y a personne dans le coin. Personne de vivant, en tout cas. Merde, tu es sûr que quelqu'un t'a vu ? J'ouvre pas les quatre trous ! Dizzy, je t'entends plus. Oh, merde. Je l'ai encore perdu. Restons sur nos gardes. Il est possible qu'on nous observe. Attention ! Faut avouer que Dizzy nous avait prévenus. Hé ! Y a quelqu'un ! On veut juste faire du troc ! Ou pas. Ok. Ouvrez l'œil. Et faites attention aux accidents. Ils ont mis des pièges partout. Il a tourné à gauche, au coin. Suivez ce connard, ne perdez pas. Par là-bas. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que c'est? Faut qu'on garde un œil sur les statues de cendres. On est en terrain miné. Merde, il est bigleux ce mec ou quoi? Repliez-vous, c'est encore un piège! Il est parti où, ce connard? Oh, t'inquiète. On le reverra. Putain, c'est trop libre! Oh, mais ce type, il est complètement dingue! Comment il fait pour les fourrer là-dedans? Boîte de polype. Mais c'est quoi ce bordel? Gars, vous entendez ça? Attention! Putain d'amateur! Tu crois que tu peux nous faire peur, hein? On est des gears! Calme ta joie, Chase. D'accord? Ok, ok. Oh la vache! Hey, on ferait bien aller voir ça. Mais prudemment. Merde! Les polypes! Saloperie! Ils sont partout! Plutôt confortable? Y a quelqu'un, vous croyez? Ils arrivent! On est des gears, bordel! J'entends tout cette part! J'ai dit cessez le feu, mon petit malard! Oh merde, j'aime pas du tout ça! Ouais, maintenant tu m'entends, bien sûr! C'est pas croyable. Il descend. On va voir ce que cet enfoiré va dire pour sa défense.
te laisse une chance. La gâche pas. Griffin ne veut pas d'étrangers dans sa ville. Surtout pas la CGU. Vous prenez des risques à venir ici. Écoute, on veut juste du carburant. Après, on s'en va. Ce Griffin, il est prêt à faire du troc? Ouais, je pense qu'il voudra bien traiter avec toi, ma belle. Conduis-nous à lui, petit homme. Maintenant. La vue est splendide d'ici, CGU. On peut admirer votre œuvre sur la ville. Les gens ne sont pas prêts d'oublier les frappes du rayon de l'aube. Écoute, pauvre con, on vient de te sauver la vie, et la guerre est pas finie pour nous. Oh, pardon, ma belle. C'est comme ça que les gens pensent ici. Hé, hey, parle-moi de Griffin. Oh, c'est le chef ici. La Griffin Emulsion Corporation, vous vous rappelez? Ouais. Donc, il y a du carburant. Oh, pas depuis que la dernière livraison a disparu. Donc, tu nous sers pas à grand-chose, hein? Trouve-nous juste du carburant, et nous, on s'en ira. D'accord, d'accord. Laissez-moi d'abord en parler au chef. La CGU n'a vraiment rien à faire ici. Essayez de pas écraser la boîte cette fois. Ouais, ouais, j'ai compris. On peut montrer l'enchaînement. Ok, une dernière fois. Excellent. Un téléphérique. Ouais, faut être fou pour se balader en rase-motte. On avait remarqué. Ah, oh, putain, la CGU. Ouais, ouais, on peut entrer. Merde, pourquoi tu les ramènes ici? C'est du gibier pour le chef. Arrête, vieux. C'est pas des pourris de la CGU. Ils viennent juste flinguer une chiée de luisant. Faut vraiment qu'ils voient le chef. D'accord, mais seulement parce que ça va être super poilant de voir le chef te passer un savon, petit con. Ah, j'ai déjà entendu parler de Griffin. C'est sans espoir. Il disait que c'était un dur à cuire qui détestait la coalition. Je crois que je vais rester au canoncier. Jouez pas au plus malin. Regardez, c'est son bureau. Marcus, je m'en occupe. Monsieur Griffin, ces types de la CGU viennent d'arriver. Ils ont massacré plein de luisants. Ils veulent du carburant. Putain, pourquoi tu ramènes la CGU ici, dans ma ville? Ils ont tué des luisants, chef. Ils veulent juste du carburant. Toi, dégage de là avant que je perde patience. Bienvenue à la tour Griffin, CGU. Elle était déjà là quand vous avez détruit Char, et elle est toujours debout. Tout comme moi. Vous êtes pas chiés de débarquer ici en appelant au secours, bande d'enflures. Nous comprenons. Il nous faut juste du carburant, et on s'en va. Tu comprends rien, salope. T'as vu tous les cadavres? C'était mes ouvriers, mes employés, ma famille. Ça me plaît pas que leur repos soit troublé par des étrangers, surtout quand ils sont de la CGU. Vous êtes en deuil, on peut comprendre. Oh, et t'es qui, toi? Marcus Phoenix. Ce nom-là me dit quelque chose. Tu connais la première règle des affaires, Monsieur Phoenix. Rappelle-moi. C'est qu'est-ce que j'y gagne? Il te faut du carburant. Moi aussi. Plutôt marrant, vu que c'est ce qui a fait ma fortune. Alors retrouve mon carburant, et je t'en laisserai un peu. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire vous-même? Notre raffinerie a pris du retard dans sa livraison de carburant. Et j'attends toujours ma cabine de téléphérique. Alors allez-y pour faire avancer les choses. Et rapportez-moi mon carburant et ma cabine. Vous pensez que c'est dans vos cordes, ça? Ce serait pas un piège, par hasard, hein? Putain! Lâchez-moi! Marcus! Ils m'ont attaqué! Et ils ont piqué le camion! Ils... Dans chaque contrat, il y a une garantie, Phoenix. Ton associé est ma garantie. Je vous jure que si vous lui faites du mal, ça va sacrément chier. T'as une heure. Perds pas de temps.
Allons-y, Marcus. Ne t'inquiète pas pour Dizzy, Marcus. Allez, viens, qu'on en finisse. Ouais, allons-y. Sympa d'avoir pensé à nous. Ils ont laissé plein de trucs. Bon sang. Cet endroit a vraiment morflé. Et voici l'autre tour de Griffin. Oui. Il n'avait pas la moindre chance. J'ai jamais vu une ville amochée à ce point-là. Ça n'a pas dû être facile d'appuyer sur le bouton. En effet. J'y étais. Oh merde. Désolé, Anya. C'est pas ce que je voulais dire. Tout va bien. Pire. Et ça recommence. Tant mieux. J'ai besoin de me défouler. Attention, les clics sont de retour. Ouvrez l'œil. Les saloperies surgissent de n'importe où. Je comprends pourquoi il nous a envoyés ici. Putain de promenade. Ouais, et c'est en plein territoire Lambent. Eh, j'espère que Dizzy va pas se faire un trip façon justicier solitaire. Tu le connais. Dommage qu'on ait autant besoin de carburant, sinon j'irais bien le libérer. Isolés!
C'est des conneries! Pas par là. Hé hey, je crois qu'on suit le vieux métro. Attention, il crache. On a réussi à atteindre la tour en un seul morceau. La cabine de téléphérique est tout en haut. Encore. Maintenant, il reste plus qu'à y aller. T'embête pas? Ça, c'est pour moi. Ça tombe bien. J'ai besoin d'aide. L'endroit a l'air désert. Ils sont peut-être partis pour se réfugier dans un endroit plus sûr. Génial! Plat d'ascenseur et pas de courant. Espérons qu'il y ait un générateur. Sinon, va falloir jouer aux alpinistes. Enfin, la chance nous sourit. Profites-en, ça dure jamais longtemps. Bon, essayons l'un des ascenseurs.
Eh bien, pourvu qu'il marche. Quelqu'un a entendu ça? Oh merde! Les humains l'embêtent! Ah putain, il y en a ici aussi! Et ben voilà pourquoi le carburant n'a jamais été livré! Ces saletés sortent des conduits! Restez vigilants! Je suis à sec! Gagne la cabine de téléphérique et on trouve Dizzy. Bon, bah, je crois qu'on va prendre les escaliers. Cette cabine fait contrepoids. Bougeons-la. S'ils sont devenus lambent ici, dans la raffinerie, alors, ça voudrait dire que l'émulsion en est vraiment la cause. Eh, hey, mais on a été exposés à l'émulsion, nous aussi. Pas autant que... ils épuraient l'émulsion, ici. Pas étonnant que Griffin veuille pas... On en a vu à Hanovre, mais pas d'aussi près. Ouais, on va éviter de refaire ça, ok? Ok, on va à la cabine. J'espère qu'ils l'ont pas bousillé. Ça tombe bien. Cargaison est intacte. Bon, ben c'est déjà ça. Allez, on taille la route. Pas encore possible. Ah, merde! Ça bouge pas. Ah, la cabine semble être fixée au bâtiment par un câble. Alors allons-y et coupons ce câble. Aide-moi un peu! Déformeur! Avançons! Hey, Yeah.
Regardez, le téléphérique. Bon, maintenant on le libère. Bingo, on peut y aller. Venez, tirons-nous d'ici. Allons, Ben. Hé, attention, là. Puissant, on approche. Partons avant que ces saloperies nous rattrapent. Marcus, réponds. C'est Dizzy. Quoi? Il s'est échappé? Dizzy, je t'écoute. On a le carburant, on arrive. Te presse pas. Leur ennemi rat est là avec son colibri d'assaut. On est attaqué. Oh, merde. On la voit, Dizzy. Baisse la tête et monte jusqu'au toit. Cette pétasse nous suit, c'est sûr. Hé, hey, la reine sur tir. Alors maniez-vous, on va aider Dizzy. Bien, tout est OK. Espérons que Griffin tienne parole. Ah, il a plutôt intérêt. Pourvu que Dizzy retienne les gardes de la reine jusqu'à ce qu'on arrive. Il a connu pire, genre Scourge. Et s'il lui arrive quelque chose, Griffin le sentira passer. Hé, Marcus, ça fait de la route. Cette merde tiendra le coup. Ce serait mieux sans les barres. Faites gaffe. Enrayer. Hé, hey, du con, t'as de la merde dans les yeux. Une barre, à droite. Barre, sur la gauche. Merde, on est fermé. Retirez, jusqu'à ce qu'on atteigne la tour de Didi. Mange ça. C'est bon, ils mettent les voiles. Ces câbles ne vont pas jusqu'au toit, Marcus. Regarde, on va atterrir 3 étages en dessous. On va continuer à pied. Bon, on va chercher Dizzy. On dirait que Mira est partie sans ses gardes. Accroche-toi! Les gardes de la reine, c'est un vrai massacre!
Devant moi. Voyons de quoi t'es capable. Griffin, on a votre carburant. Nous, on se barre. Bien sûr, maintenant que tout le monde est mort. On a survécu aux frappes du rayon de l'aube, aux larves, à cette putain de guerre. Mais vous, vous rappliquez et tout le monde crève, enculé de CGU. Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, vous semez la mort, la douleur et la misère. Bande d'enculés de merde! Je viens de perdre mon frère, d'accord? Est-ce que t'entends? Mon frère, putain de merde! Toi et ta tour et cette putain d'illusion, vous allez pouvoir aller vous faire foutre! On se reverra, Phoenix! Tu peux compter là-dessus, enculé! Allez, on amène ce fuel au pick-up. On a un sous-marin à trouver. Marcus Phoenix est tout aussi obstiné que son père, et tout aussi prévisible. S'il survit, ce sera la fin de toute notre espèce. Veillez bien à ce que cette touchante petite mission s'arrête ici. Envoie Gigi. C'est parti. Attention. Tourelle au poste de garde. Ah!
par devant. Ouais, j'espère qu'ils sont pas tous aussi rouillés que celui-là. On essaie l'autre hangar. Difficile de le rater, ce sous-marin. Pas vrai, Diz? Ouais, c'est sûr qu'on risque pas de marcher dessus. Continuez à chercher. C'est quoi, cette matière blanche? Des toiles d'araignée? J'en ai jamais vu qui avait cette gueule. Non, je pense pas que ce soit ça. Ah bah, parti comme on est, je parie qu'on sera vite fixé. Dizzy, comment on va faire fonctionner un sous-marin à 5? Ça, c'est mon boulot, mademoiselle. Ok, inspectons ce hangar. Merde, on n'est jamais au bout de nos surprises avec les locustes. Hoffman avait raison, un sous-marin. Ouais, et toujours en un seul morceau en plus. Voyons ça de plus près. Oh, c'est tout? Je croyais qu'on avait des sous-marins gros comme des immeubles. Ça, c'est pile ce qu'il nous faut. Avec un petit, ça sera beaucoup plus facile de s'infiltrer à Azura. La taille fait pas tout, tu sais. Fais pas attention à ce bon vieux Dizzy, ma belle. Je veux juste t'examiner, prendre un peu ta température. Ça date des guerres pendulaires, des forces spéciales, non? Ça, j'en sais rien, mais il fait pile poil l'affaire. Marcus, il va falloir changer quelques pièces. Tu vois, ce rotor, il est complètement foutu, et le réservoir, il est à sec. Ok, c'est parti pour les emplettes. Alors, par quoi on commence? Thank you.
Allez chercher du fioul le temps que je démonte ça. Rien d'exploitable. Quel tas de ferraille. Bon, on fait quoi? On sort voir ce qu'on trouve sur les docks. Cool. J'ai besoin d'aide. Des pots de silverback. On va peut-être en trouver un. Chargez les armes. C'est enrayé. Impossible. J'espère que t'aimes pas ce soir. Un féroce! Marcus, mate un peu ces bonbonnes sur le quai. Ça m'a tout l'air d'être du carburant gratos. On peut pas débarquer comme des fleurs, Marcus. Il faut qu'on utilise la passerelle. Allez, vite! Positionnez la passerelle! Pas comme ça! C'est quoi une passerelle? La rampe! Déplacez la rampe! Allons-y-le directement! Je suis trompé!
Là, un dépôt de Silverback. On va peut-être en trouver un. Le fuel sur le tapis roulant. Le temps joue contre nous.
super. Aide-moi un peu. Sam, comment tu vas? Mal. Et toi aussi, on dirait. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, on en est là. Mais on va continuer, hein? Pour lui. On a de quoi atteindre Azura. Ok, j'ai besoin d'un rotor, tu vois de quoi il s'agit, je suppose. Ouais, un gros truc rond comme un ventilo. Bien revu! S'ouvre. Ennemi. Il y a un ascenseur ici. On va chercher là-haut. Ça tombe bien.
Attention! Ennemi repéré! Royal! Qu'on trouve ce putain de rotor. C'est simple, il faut qu'on trouve la zone de maintenance. Ça m'a l'air d'être ici. Ouais, si c'est une zone de maintenance, on devrait trouver notre rotor. J'ai trouvé. Dizzy, on a ce que tu cherches. On fait demi-tour. Génial! Je vais nous retaper ce ravio en deux temps trois mouvements, Marcus. RAS de ton côté? Non, aucun souci. Ok, on remonte avec le chargeur. Ça tombe bien. Il va nous falloir le chargeur pour ouvrir cette porte.
de moi. Oh putain! Faut pas qu'on perde le rotor! Sans lui, on est coincé! Cette porte. Nickel! Une seconde, le temps de monter ça. On dirait que le système de levage du hangar passe par le quai. Dizzy, occupe-toi des portes. Nous, on se charge de tous les ennemis qu'on croise. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte numéro 2? Ouais, je m'attends pas à trouver une putain de caverne d'Ali Baba. Ok, Dizzy, ouvre la seconde série de portes. Faites gaffe, on a des gardes de la reine sous le dos. Ouais, ici aussi, il faut s'en débarrasser avant d'ouvrir la prochaine porte. Ok, dit. Normalement, c'est les dernières portes. Prépare-toi à ramener le sous-marin. Ouais, j'ai l'impression que les Locus nous préparent un bon cadeau d'adieu. Encore, et puis
C'est bon, en avant. Voilà du lourd. Les abortons. Oh merde! Les balles rebondissent dessus. Les explosions. M'aider. Les gars! Merde! Ils ont de faire appel!
Putain, c'est chaud! Ouais, c'est pas ton heure! Ils nous envoient tout ce qu'ils ont sous la main! Ils veulent vraiment pas te laisser revoir ton père, Marcus. Il a dû construire une sacrée putain d'arme. Cool. Ok, on inonde le quai, et ensuite, tout le monde monte à bord. Anya pour Cole, à vous. Ici Cole. Cole, ici Anya. Le sous-marin est opérationnel. Un sous-marin? C'est le chouchou préféré de Baird. Mais attendez de voir ce qu'on a trouvé. Wouhou! Cole, sérieusement. Anya, t'as pas l'air bien. Y a un problème? On fait route vers Azura. On vous retrouve du côté du Maelstrom. Ça risque d'être long. Ça marche, on y sera. Et avec des renforts. Fais gaffe à toi, Cole. Anya, terminé. T'inquiète, Anya. Je vais leur annoncer. Oh non. Je vais leur dire.